Yo, l'Omelema, ici c'est Marty Jono, réalisateur, animateur hip-hop, youtubeur, sur CEO du média Chandelle TV. Et aujourd'hui, on va juger le rap togolais. On va faire ça salement. Alors, Ghetto Love, Ghetto Willora. Franchement, le premier jour où j'ai écouté ce morceau, j'ai pris une gifle, quoi. Franchement. Alors, Ghetto V, il est d'habitude rude. Rude, très trash. Mais sur Ghetto Love, ce que j'ai remarqué, il est posé. Mais il a gardé toujours, il a toujours été rude. Hein. Il a dit des trucs trash, mais de façon soft, tranquille. C'est un son qui m'a énormément plu. Et surtout, le rap. Moi, je pense que c'est le meilleur featuring de l'année 2022. Franchement, rien à dire. Très beau clip. Scène. Tout est parfait, en fait. Tout est parfait. Et aujourd'hui, ils sont à 2 millions 400 000 vues. Waouh. Si moi, je dois noter ce son, je donnerais 10. 10 sur 10. Voilà. L'America Gang, Mouledja Fort, ouais. J'adore ce morceau également. C'est des jeunes qui ont ramené quelque chose de nouveau dans le rap game. Tu vois? Et on sent qu'ils sont vraiment influencés par tout ce qui se passe à Chicago. Voilà, ils sont influencés par ça. Et c'est bien. Et ils me rappellent le collectif Mikpa Kodem. Ils étaient venus en 2000, je pense en 2015, La Digaine, Swag et tout ça. Et eux aussi, ils ont fait la même chose en fait. Ils sont venus, je pense, en 2021 ou 2022 avec quelque chose d'autre, quoi, qu'on ne voit pas. Enfin, la drill et leur dégaine et tout. Maintenant, le rap, super. Ils accordent beaucoup d'importance à leur image. Le clip est shooté par Kabash, voilà. C'est bien. Pour les noter sur 10, 8 sur 10. Continuez comme ça, les gars. Plan B, Icalus, My Flame. Bon, ok, Nyato, mano direct. Mano direct, Nyato, non, hypocrite. L'instru, c'est bon. Le refrain, c'est bon. Ça fait danser et tout. Mais moi, perso, j'aime pas ce featuring-là. Parce que ce featuring, elle est hypocrite, en fait. Mi featuring réel, yo. Elle est si bien. Au bon niveau, et que tu es contraint, on est obligé là en collaboration. Vous voyez, maintenant, direct, quoi. C'est pas que je ne veux pas faire Jean-Jean, quoi. On n'avait pas besoin de ce featuring-là. Franchement, le rap togolais n'avait pas besoin de ça. Du moins, pour le moment. Tu vois, parce qu'il y avait un truc intéressant. C'est pas que je suis Clash Vivinana Malodekeo. Sur le plan stratégie, sur le plan business, le show et le business du truc. Là, c'était trop tôt, en fait. Donc, si je dois noter, artistiquement, musicalement parlant, c'est bon, hein, le refrain, c'est bon et tout, mais derrière et tout, 4, médiocre. Ok, Laura feat Piwi, Abba Menami. Franchement, rien à dire, lourd. Ce morceau a retourné le rap togolais. Le rap game togolais, ça a retourné le rap game togolais. Je me rappelle, hein, le jour-là, dès que j'ai vu ce clip, je me suis dit, ah tiens, là. Disons, c'est ce son qui a révélé réellement le rap. C'est très, très stratégique de leur part. Puis, oui, un grand kicker, Laura qui kick grave. Et le clip, très beau clip. Et franchement, rien à dire. Mais même si après, voilà, il y a eu des trucs... derrière ce son, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Bon, pour noter, je dirais 9 sur 10. Chapeau, les gars.
Pia mi vini ba kuwa mi nata mi wokwa Eva yombe o kimi akwa. Alors, Yaka Crazy, Fekes, ce morceau, je l'adore. J'adore ce morceau. Et non, playlist, mais non, dit Jiri, donc, c'est bien sûr, un mois, ni rien, j'écoutais ça. Hein, quand je suis au boulot, j'écoute et tout. Et, d'abord, je l'ai connu sur Flaite. Il était en mode collaboration. Donc, j'attendais vraiment ce son. Je voulais voir de quoi il est capable, en fait. Donc, j'ai vu le cover, j'ai vu Fekes. Je me suis dit, OK, je vais voir. Bon, je pensais même qu'il allait kicker. Et le voir chanter, franchement, c'est extraordinaire, c'est ouf. Et je pense que c'est un gars qui il soigne vraiment son image. La qualité, il fait toujours des trucs extraordinaires. Franchement, chapeau mon gars. 9, voilà, 9 sur 10. Titi, au-delà de Titi. Titi, au-delà de Titi. Fouli Janta. Drill, TTV, Fit, Vite, Popo, Vélo. Alors, moi, je vais être honnête. Fouli Janta, pour moi, c'est pas un artiste. Moi, je le considère pas comme un rappeur. Franchement, moi, pour moi, c'est un comédien, en fait. Il rigole et tout ça. Ça, c'est le personnage, ça. Voilà. Pour moi, hein, et ça n'engage que moi. C'est pas un rappeur, c'est pas un thriller, c'est un comédien. Pour moi, hein, et ça n'engage que moi. Maintenant, revenons sur le son, hein, TTV, le son même. Rien à dire, drôle, beat popo vélo, il a assuré et tout. Sinon, mais en vrai, moi je considère pas ça comme voilà, quelque chose de sérieux, quoi. C'est plus un comédien, tu vois, il est plus dans tout ce qui est faire rigoler et tout ça. Donc, je donne 6 sur 10. Si y'a hé, y'a que qui bé y'a ololon. Oublie d'aller d'yo vétia blotti, que viris ou hona me toque le déla. Le kit 228 à Plauvi, rien d'extraordinaire, hein. Rien du tout. Moi, ça me fait penser direct à Conny Gangster. Hmm. On dirait que c'est un enfant, Conny Gangster, un enfant que Conny Gangster n'a pas déclaré à la mairie. Voilà, sinon, c'est rien d'extraordinaire, quoi. On a déjà ça. Je pense pas, je pense qu'il est dans le copy collé pour noter 5. Voilà, je donne 5. Mais moi, personnellement, il ne me parle pas. Il ne me dit rien du tout. Yovi Kititi, c'est moi le père. Waouh. Yovi Kititi, pour moi, c'est le général. Est-ce que vous connaissez Mac Taylor en France? Voilà, moi, pour moi, Yovi Kititi, c'est le Mac Taylor. Le Mac Taylor du Togo. Et c'est moi le père. Et j'aime bien quand ça pique, quand il y a les good trips et tout. Et franchement, c'est un son que moi j'ai kiffé le premier jour que j'ai attendu ça. Et le clip, super. Réalisé par Philosophic Music, voilà. Philosophic Movies, voilà. C'est la maison. Très bien scénarisé. Le début avec les mecs en barbès, en couche et tout ça. Franchement, qu'est-ce que je peux dire? Chapeau. J'aimerais bien, attends. Et puis c'est quelqu'un qui dit la vérité, en fait. Il dit beaucoup de choses qui sont réelles. Écoutez ce son, ça fait 4 minutes et quelques. Écoutez bien. Il n'y a que des vérités et tout. Et pour noter le père, je ne veux pas avoir des fessées. 9,50 le père. 9,50. Alors, mot de fin, mon mot de fin, c'est pour dire aux gars, tenez bon, courage à vous, force, persévérance. Souvent, il y a des gens qui disent le rap togolais, voilà, ça n'avance pas, c'est nul et tout ça. Et c'est faux. Le rap game togolais ou le rap togolais avance. C'est vrai, on ne marche pas, on rampe. Mais c'est mieux de ramper que de rester couché. Ouais. Ailleurs, on peut dire en Côte d'Ivoire et tout ça, eux, ils marchent. Le Nigeria, il court et tout. Le Ghana, il court. Mais nous, on rampe. Rampons, on va y arriver. Donc, tenez bon. À la prochaine. Je vous adore. Peace. Hey, Chandel TV. On s'abonne. Et on s'abonne également à Rap Togolais. Il n'y a que de l'amour par ici. Peace and love.